Bonjour, vous retrouvez face à un robot pour emprunter, gérer vos comptes ou encore demander des conseils bancaires, eh bien ce n'est plus du tout de la science-fiction, on appelle ça même la révolution digitale. Alors pour en débattre aujourd'hui, Bruno Coleman d'un côté et Michel de Kemeter de l'autre. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Alors cette idée vous séduit-elle ou vous fait peur? Vous souhaitez réagir, c'est le moment, rejoignez-nous, soyez pour ou contre. Bruno, elle est là, la réalité. Il faut évoluer avec son temps et on doit passer par les robots à un moment donné. Ah, les robots sont partout. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans un smartphone, il y a plus d'informatique que dans tout le programme Apollo 11 qui a mis en 69 deux personnes sur la Lune. Et qu'en fait, ce sont les utilisateurs qui sont demandeurs de robots. Oui. En fait, la banque, l'assurance, aujourd'hui, se mécanise. On veut avoir en face de soi des réponses rapides, d'avoir des chiffres corrects. Et donc, la démarche d'aller vers une banque, vers un guichetier, oui, vers une compagnie d'assurance, tout ça disparaît. On est en fait dans l'immédiateté et ça demande donc des processus automatisés. Immédiateté, j'ai entendu des informations correctes. Donc, voilà. On n'a pas droit à l'erreur. Là, il n'y aura pas de problème. C'est ce que vous contestez peut-être? Ah, je conteste parce qu'on est parti trop loin dans l'extrême du numérique et il y a beaucoup de gens qui sont perdus face à ça et donc je n'y crois vraiment qu'à moitié. Mm-hmm. Désolé Fanny. Et vous n'y croyez pas pour quelle raison principale? Pour quelle raison? Parce que d'abord nous sommes face à des humains, mm-hmm, et qu'un projet de relation bancaire, même si c'est parfois des petites choses et qu'on peut automatiser certaines petites choses comme les virements, etc. Ce qui est le cas déjà aujourd'hui. Ce qui est le cas déjà aujourd'hui. On va commencer à parler d'emprunter pour une maison, pour une voiture, pour commencer à placer de l'argent. Je pense que là, on va trop loin parce que, je veux dire, un humain, c'est une histoire, c'est un passé, ouais, c'est un futur, c'est horizontal, c'est pas vertical. Ouais. Question d'émotion aussi. Hein. Oui. C'est vrai que quand on fait la démarche d'aller chez son, ouais, banquier pour emprunter, pour une maison, bah, y a toute une histoire, comme vous le disiez. Comment on fait face à un robot? Est-ce qu'il est empathique, ce robot? Le robot n'a pas d'empathie, mais donc il y a plusieurs choses à dire. D'abord, le fait que les opérations simples, élémentaires, sont maintenant déjà robotisées depuis longtemps. Faire un virement, un paiement. Même par smartphone, hein, voilà, tout à fait. Il ne faut pas oublier qu'on peut payer par smartphone, mais que le banc contact dont on tire de l'argent, c'est un robot, en fait, mm-hmm, hein, qui, avec un code, permet d'avoir accès à la monnaie. Par contre, pour les opérations plus compliquées, les emprunts, les prêts, les problèmes de succession, il faut des humains, il faut des conseils, il faut de l'intuition. Et donc, les banques s'organisent pour en fait dissocier le service entre, d'une part, la mécanique des opérations simples et puis le conseil pour les opérations un peu plus compliquées. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la technologie appelle la technologie. Mm-hmm. En réalité, aujourd'hui, on a accès à son banquier par email. Et donc, ce sont des robots maintenant qui commencent à répondre aux emails sur base de toute une série de réponses préprogrammées, parce qu'un humain seul ne serait pas capable de répondre à la multitude des questions qui sont envoyées. Trop de questions. Comment on fait dans ce cas-là, Michel? Mais là, je pense que là, il y a un danger de confusion et danger de se perdre dans ce tout numérique. Mm-hmm. J'ai fait moi-même l'expérience. Hein, donc, j'ai joué le jeu, hein, pour, ouais, un emprunt. Et donc, cliquer, pousser sur 2, pousser sur 3, pousser sur 1, et puis tout à coup, ça, on perd, je me suis perdu dedans. C'est rébarbatif aussi. Voir une deuxième fois, on ne m'a jamais répondu. Mm-hmm. Donc, il ne faut pas qu'on me la fasse trop souvent. Je pense être quelqu'un qui s'inscrit dans le numérique, je suis d'accord de jouer le jeu, d'accord, mais quand ça bug 2-3 fois, moi, ça ne m'intéresse plus. Donc, du coup, je reviens vers mon banquier indépendant, parfois, souvent, et vers d'autres banques. Donc, je change de banque, du, ouais, coup, vers des banques où il y a quelqu'un qui peut m'aider, même pour des petites choses, des assurances, des machins, pour choisir la meilleure solution. C'est ça. Je pense qu'on est allé trop loin dans le balancier vers le numérique et on perd les gens. On perd trop de gens. Ils sont essentiellement... Oui, allez-y. Oui, on perd les gens, mais en même temps, on ne veut plus payer pour les services bancaires. Il ne faut pas l'oublier. Mais on peut paye. Avoir des gens. On paye pour des frais élémentaires qui sont essentiellement des frais d'informatique. Mm. Mais si à un moment, on devait payer la tarification correcte d'une personne qui est en face de soi, sa disponibilité, sa plage de temps qui souvent est plus tard que 5 heures du soir, on doit être capable de le payer. Et donc, il y a un problème dans les banques maintenant, c'est qu'on veut à la fois avoir un service immédiat, gratuit, et 24 heures sur 24, uh-huh, mais en même temps, on n'est pas prêt à payer des personnes qui soient disponibles comme on veut l'être. Donc, il faut, je crois, se faire un peu violence et accepter qu'on rentre dans un monde de la mécanique, mais qu'en même temps, effectivement, pour des opérations plus compliquées, l'humain doit être là. Et d'ailleurs, la plupart des l'humain sera toujours là. Oui, l'humain sera toujours là. Ça, on peut compter dessus. De quoi dessus on parle alors, finalement? De quoi on parle alors? Parce que, bon, les virements, ça va être automatique. Ouais. Si vous me dites que l'humain reste, mais alors, de quoi on parle finalement, la robotisation? Ben, de beaucoup de choses. Par exemple, les emprunts à la consommation, les emprunts voitures vont devenir de plus en plus automatisés. Ça veut dire quoi? On clique, donc on va sur un site, on clique, mais et l'offre avec une validation très rapide et une disposition des fonds assez rapide. Ça se passe en Hollande, dans les pays nordiques. En Hollande, dans les pays nordiques,
qu'on a réduit drastiquement le nombre d'agences. Mmh. Et en fait, la plupart des choses maintenant sont automatisées. Mais c'est vrai qu'en même temps, il y a un problème, et Michel l'a dit tout à l'heure, pour les personnes qui sont plus âgées, pour les personnes qui n'ont pas la dextérité, pour les personnes qui ont besoin de plus de temps pour lire des chiffres qui sont parfois trop petits sur un écran. Et donc, il peut y avoir des difficultés personnelles. Pas que pour les personnes âgées, d'ailleurs. Je ne sais pas si je prouve âgé. Entre 40 et 50 ans, quand on a des deals à faire, des deals importants, je vais vers la banque qui m'a servi, qui a créé de la valeur pour moi, pour les petites choses. Donc, je suis assez… Question de confiance aussi. Ah oui, c'est une question de confiance aussi. Moi, j'ai fait l'exercice. Je suis dans plusieurs banques, je suis dans trois banques. Eh bien, moi, je suis désolé, mais les grosses affaires, je les ai faites avec une banque qui était un petit peu plus chère, mais j'ai été servi. Grosse affaire, qu'est-ce que vous voulez dire? Emprunt? Ah oui, de l'immobilier, des prêts, des placements, tout ça, j'ai fait avec des banques. J'ai payé un petit peu plus cher, soit, certes, mais j'étais servi et j'étais très content d'être servi. Je comprends tout à fait, parce que moi, je suis dirigeant d'une banque privée, et donc tout le contact est basé sur l'humain, bien entendu. On doit accueillir les clients. Faire face. Et on le fait face avec toute une série de personnes qui sont rencontrées tous les jours. Mais donc, il faut là aussi être un tout petit peu nuancé. Il y a ce qui est automatique, automatisable, et puis ce qui demande un peu plus de service. Mais la réalité, c'est que les gens vont très très peu maintenant dans les agences bancaires, en moyenne une fois par an, et souvent pour des traitements d'exception. C'est le petit boîtier qui est cassé, c'est une carte qui doit être remplacée, alors que bien on les envoie maintenant par courrier. Et donc il faut accepter qu'on est dans une fluidité plus rapide et que nous sommes demandeurs de cette rapidité. La réalité, c'est que si à un moment on freinait le système bancaire en imposant aux gens d'avoir un contact humain pour des opérations alimentaires, on n'en serait pas content, parce qu'on s'est habitué à aller vite. En fait, quand on paye dans un magasin, on le fait rapidement. C'est vraiment révolu ce temps où on allait voir son banquier pour déposer de l'argent sur le compte. C'est impensable aujourd'hui. Le virement qui était écrit, le virement maintenant devient payant, parce qu'un virement doit être réencodé, doit être lu optiquement, ça pose des problèmes et donc on pénalise effectivement ce genre de choses. Je crois qu'il faut accepter, il faut épouser le changement. Oui, mais il y a quand même une chose, c'est à quel moment est-ce que les clients rapportent de l'argent à la banque? Mettons-nous à la place du banquier. C'est au moment où il doit placer de l'argent, au moment de succession, au moment où il doit faire des deals. Eh bien, ce jour-là, il rentre. C'est peut-être qu'une fois par an, une fois tous les deux ans, mais ce jour-là, il rentre quand même dans l'agence. Ce jour-là, il va falloir que le front desk, donc les gens devant, à la réception, accueillent vraiment, avec respect, avec un vrai bonjour. Oui, parfois, vous êtes un peu déçu aujourd'hui. Vous dites on n'est plus accueilli comme avant. On n'est pas accueilli comme avant. Donc parfois, c'est assez rare ce qu'on soit un bonjour qui ressemble à quelque chose. Mais ce jour-là, sinon, on risque de perdre. Oui. C'est comme ça chez vous? Pas du tout. C'est pas une banque grand public. On connaît la... mais moi, je pense que c'est quand on est bien accueilli. Mais le jour où je viens avec quelque chose qui va rapporter de l'argent à mon banquier, eh bien, ce jour-là, je vais être bien reçu. Et ça va faire. Ça va être conditionné par les fois d'avant où j'ai été bien reçu ou non. Et donc, ce n'est pas si j'ai eu un bon programme informatique ou un bon robot. Ce n'est pas là-dessus que je vais décider pour aller chez mon banquier pour faire les vraies opérations qui vont rapporter de l'argent à la banque. Mais en même temps, la loyauté bancaire maintenant devient digitale. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'une fois qu'on est habitué à sa banque, qu'on utilise toutes les fonctionnalités d'un smartphone, on reste dans la banque. Et donc, il y a une relation en fait assez particulière. La banque donne des services essentiellement gratuits, pour autant que ce soit la personne qui les utilise lui-même, sans l'aide d'une personne, et ça crée en fait une relation de loyauté, je disais. C'est très frappant. Changer de banque, parce que j'ai toute mon informatique, mon banque online sur une banque, et pour les banques avec qui je fais vraiment du business, je vais dans une autre banque, parce que là, je suis servi. C'est la meilleure illustration. C'est-à-dire qu'en fait, les banques maintenant sont séparées entre des banques qu'on appelle de détail, qui font des opérations courantes, et puis d'autres qui sont pour des opérations plus particulières, et tout ça a du sens. L'humain se trouve différemment dans chacune des deux catégories. Allez, faisons tout de suite un zoom sur le sondage qui percute. Et cette vraie question liée aux robots et donc moins d'emplois, c'est la question que beaucoup de nos téléspectateurs se posent. D'ailleurs, il y a eu des Facebook en ce sens. Et l'épargnant belge, pas vraiment à l'aise face à l'arrivée des robots. C'est un sondage qui a été réalisé la semaine passée, en fait, par une banque. C'est le sondage mensuel. Et voici les différents chiffres. Donc 37% pensent que les robots faciliteraient la vie, ce qui est plutôt pas mal. C'est à peu près 4 personnes sur 10. 25% pensent au contraire. Voilà. Et 50% craignent. Donc une personne sur deux interrogée craint un impact défavorable sur l'emploi. Ah, mais ça, c'est évident. Et c'est déjà en route. On est devant une révolution technologique qui est gigantesque. C'est un tsunami. On n'en prend pas encore la bonne mesure parce qu'on est, en fait encore ancré dans le passé. Mais on dit qu'à un horizon de 20 ans, 50, certains disent
70% des jobs auront disparu ou auront été transformés. Alors transformés peut-être, c'est peut-être là la question. Est-ce qu'on crée de nouveaux jobs? Même plus proche, horizon 10 ans, 45% de destruction d'emplois. Et dans le privé et dans les services publics, des études d'Oxford, de la MIT convergent là-dessus. C'est beaucoup plus proche, ça va aller très très vite. Hein. Oui, et croire malheureusement qu'on va remplacer les jobs qui ont disparu par d'autres jobs, des start-up, des personnes, c'est une illusion complète. C'est une illusion. Et donc on est devant un choc d'emploi, un choc de qualité de travail, de culture d'emploi qui est très important. Et par exemple, le partage du temps de travail va être fondamental. Certaines personnes en auront toujours trop, et puis d'autres, on va les laisser pour compte. Et donc, politiquement, ça pose un défi gigantesque auquel personne n'arrive à formuler maintenant une réponse correcte. Parce qu'en fait, personne. Mais pourquoi on continue alors avec ces robots? Parce que ça répond à une vraie demande? Parce que d'abord, les consommateurs sont demandeurs. C'est comme dans les grands magasins. Hein. On pourrait payer tout au prix convenu, mais on veut soi-même utiliser un self-scan, c'est-à-dire des oui, c'est vrai. En fait, on travaille pour eux. Parce qu'on demande des produits un peu moins chers. Et tout ça a une contrepartie, évidemment, moins d'emplois, mais donc l'emploi manuel peu qualifié va énormément souffrir. Et croire qu'on va forcer les gens à revenir au travail, comme aux États-Unis en les nommant gardien de musée ou serveur d'essence dans des stations-service, tout ça n'a aucun sens. Michel, c'est ça qui vous embête aussi, cette partie Cette tendance est une tendance de fond. Il y a effectivement, comme dans une lasagne, toute une série d'espaces économiques. Effectivement, il y aura moins de viande demain, donc il y aura moins d'emplois, on va dire, traditionnels, mais il y aura plus de fromage, plus d'épinards. Dans cette lasagne, il y a une aspiration, il y a d'autres espaces économiques qui sont des aspirateurs à nouveaux emplois. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Mais voilà, mais il y a quand même un truc sur lequel je voulais revenir. Des nouvelles compétences, peut-être. Bah oui, mais donc ça, de toute façon, nous, notre génération et nos enfants vont devoir, en tout cas, se recycler à de toutes nouvelles compétences, de nouveaux espaces économiques. Ça, c'est tout à fait clair. Si on ne le fait pas, eh bien, effectivement, ça sera du chômage longue durée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut plus viser alors le rôle du banquier au guichet. Comme on l'appelle, ça c'est fini, c'est vraiment un job qui est amené à disparaître. Mais le banquier doit devenir maintenant beaucoup plus sophistiqué, mais le vrai banquier demain ce sera l'informaticien, ce sera moins le juriste, ce sera moins l'économiste que l'informaticien. Mais en tout cas il y a un secret devant ce choc de société gigantesque qui touche les banques, les assurances, mais en fait tous les métiers, c'est qu'en fait il faut continuer à se former. C'est-à-dire qu'on ne peut pas croire qu'avec quelques années d'études on va tenir 40 ans de carrière. Croire qu'avec 4 ans d'études on tient 40 ans dans un ratio de 10 pour 1, ça n'a absolument aucun sens. En fait on va devoir dans une économie beaucoup plus éreintante, fatigante, tout le temps en mouvement. Et pas seulement dans le domaine bancaire, si je comprends bien ce que vous dites. Oui, je voudrais quand même rajouter quelque chose dont on ne parle pas, c'est l'insécurité sur Internet, sur les réseaux, sur le numérique. Oui. Il y a aujourd'hui, et je suis dans un gros projet sur la cybersécurité, en fait, plus on va sur Internet, plus on va vers le numérique, plus on crée un système vulnérable. Et la créativité humaine là-dedans, pour venir vider la poche des gens, est énorme. Et donc, plus on va aller vers l'informatique, plus on va avoir des possibilités de bug, donc de dysfonctionnement informatique, ou de hack, c'est-à-dire où on vient créer des façons pour voler les gens. Donc ça, c'est déjà en cours. C'est un danger, c'est ça, des dizaines de milliards d'euros. Hein, donc ça, c'est énorme. Ça. La sécurisation, c'est un danger, et c'est vrai qu'on arrive à paramétrer maintenant le comportement des gens. On est capable de savoir quasiment avant eux ce que des personnes vont faire, rien qu'à voir leur demande sur Google, à connaître. Mais c'est ça, parce qu'ils sont tracés, en fait. Hein, c'est les fameux. Si vous tapez sur Google filtre pizza, eh bien, on n'aura pas les mêmes résultats en fonction de notre localisation, ni de ce qu'on a déjà vérifié par ailleurs. Mais en même temps, cet accès à l'information, c'est gigantesque. Ça crée pour la jeunesse l'accès à un nouveau monde, une autre dimension. Et toute cette richesse de créativité n'est pas encore aujourd'hui dans les mesures du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la richesse nationale. Il y a quelque chose de gigantesque en train de se préparer. Et pour moi, qui suis par exemple professeur à l'université, mais quelle joie de pouvoir vérifier en temps réel avec les étudiants l'information que je donne et la compléter. C'est merveilleux. Je voudrais vous faire part d'un Facebook qui vient de passer. Si vous le voulez bien, il vient de s'afficher, c'est le Facebook de Luc. Voilà. L'humain peut être fourbe et menteur, mais si le robot est programmé par les humains, alors c'est pas gagné, parce qu'en effet, le robot est programmé par les humains. Mais il peut mentir, parce que l'ordinateur Watson d'IBM, qui a battu un joueur de Go, c'est un jeu asiatique, qui demande de ruser, de mentir, a battu l'humain. Comment? En rusant et en mentant. Et on s'est demandé à un moment ce que ce robot faisait comme coup, c'était pas cohérent par rapport à un comportement normal. Eh bien, le robot avait appris à tricher, c'est-à-dire en fait à rentrer dans des sentiments humains. Allez, on va faire tout de suite un petit clin d'œil à la vidéo qui fait le buzz.
Mais je me suis demandé s'il existait en effet des robots déjà dignes de ce nom, hein, parce qu'on vous parlait du banc contact, mais moi ce qui m'intéresse c'est le robot tel qu'on l'imagine, hein, dans le futur, dans la science-fiction. On a eu quelques robots déjà présentés. Vous m'aviez parlé d'un hologramme d'ailleurs, hein, vous pouvez en parler tout de suite. On va voir quelques images tout de suite de ce fameux robot d'une société bien connue. Elle a fait le buzz la semaine passée lors d'un sommet à Lisbonne. Et en effet, on l'a dit pleine d'émotion parce qu'elle a énormément d'expression dans le visage. Alors, est-ce que ce type de robot pourrait un jour apparaître dans les banques? Comme on a parlé de remplacer les présentateurs télé à un moment donné. Hein, il y a 5-6 ans, on en parlait et on avait... AXA, par exemple, avait installé il y a quelques années un hologramme à ses guichets. C'est-à-dire qu'il y avait une personne qui était dans un call center dont on voyait l'image holographique, ou hologramique, je ne sais pas comment on dit, et qui parlait aux clients qui demandaient de l'aide. Bien sûr, il ne pouvait pas donner un document puisque la personne était virtuelle, mais de son poste de travail à distance, envoyait chez les personnes les informations demandées ou les demandes de sinistre ou d'autres types de documents de cet acabit. Et donc, il y a une réalité, c'est qu'on peut très très bien maintenant délocaliser une présence physique tant qu'on n'a pas besoin d'avoir un échange domestique. Mais donc, dans les banques, pourquoi pas un jour ne pas avoir quelqu'un qui soit dans un call center et en fait présent dans plusieurs agences en fonction du taux d'arrivée des clients. Ah oui, ça vous parle ça, Michel, ce type de scénario du futur? Mais tant qu'on ne dépasse pas la ligne, pour moi, une ligne dangereuse où on perdrait un discernement par rapport à ce qui est bon pour nous en tant que consommateurs, tant qu'on ne passe pas la ligne de l'insécurité sur Internet, on parle vraiment de centaines de milliards par an dans les banques, on a certains chiffres, je n'ose même pas les dire. Vous pouvez, on est là pour parler. Il y a une banque, que je n'aimerais évidemment pas, dont les chiffres sont au niveau mondial de 12,5 milliards d'arnaques en ligne l'année passée. Quand même. Oula. Je ne peux évidemment pas le dire, ce sont des chiffres top secrets, et donc ça donne froid dans le dos. Et ce n'est pas le petit casse comme à l'époque des diligences, donc ce sont des immenses casses. Donc là, je pense qu'il y a un vrai danger, et d'ailleurs, les spécialistes en cybersécurité le disent, c'est vraiment, c'est un casse tête énorme. Donc là, je pense qu'il faut à un moment donné s'arrêter, dire OK, faire la part des choses, revenir avec un balancier dans un juste milieu où on peut faire l'équilibre entre l'humain, la valeur ajoutée humaine, qui permet de discerner, de parler de sens, du pourquoi, du comment, on fait quelle opération, le pourquoi, vraiment le why, pourquoi on est là finalement, quelle est la valeur qu'on peut créer en tant que banque pour son client. Eh bien là, oui, alors tout ce qui est facile, automatisable, bien sûr, ce sera sûrement le bienvenu. On rentre dans la dernière minute. Et 30 secondes chacun, comme le veut la tradition, pour conclure. À vous l'honneur, Bruno. Allez-y, vous êtes pour les robots quand même. Je suis pour le progrès. Il faut rester vigilant, il faut rester humain, mais en même temps, il faut épouser le progrès. Et je crois qu'on est à la veille de bouleversements gigantesques. La connaissance nous est acquise un peu partout. On peut s'instruire, on peut se grandir, on peut se recycler. Et donc, c'est vrai que dans certains métiers, il y aura des pertes d'emplois, mais soyons prêts à les compenser par une formation personnelle permanente et qui ne dure pas quelques années de vie, mais au contraire, toute une vie, et je crois pour le bénéfice de la communauté. Être proactif, donc. 30 secondes pour vous, Michel. Voilà. D'un côté, être mieux outillé au niveau informatique, mais avec plus de sécurité. D'autre part, j'ai envie de dire plus d'humain. Ce qui nous reste d'humain, j'ai parfois envie de dire, quand je vois comment je suis reçu dans certaines banques, il vaut peut-être mieux à ce moment-là remplacer le robot. Je suis sûr que le robot me dira mieux bonjour que cette personne-là. Donc, plus d'humain, plus d'équilibre, plus de cohérence, plus de relations et une meilleure informatique, plus équilibrée et plus solide. Très bien, vous ne mâchez pas vos mots en tout cas. Michel, merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous demain pour une nouvelle question d'actualité, toujours en direct. Tout de suite, RTL Info 13h, Luc Gilson. Bel après-midi.